Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu Chrono Cross, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, on va aller chercher un élément qu'on a oublié. J'ai découvert un mystérieux objet en bas, mais il est défendu par un homme. Il est plus défendu, c'était. Fallait déjà aller par en haut, je me suis trompé de côté. J'ai pas pris le... J'ai pas pris le bon personnage, j'ai pas pensé. C'est bon.
bad. Beaucoup enseigné, souffert et péri. À votre tour de mourir. Antoine. C'est pas une bonne idée de mettre du feu sur lui, par là. Je me disais.
Ah bah oui, c'est beau ça. Que ça. Ouf, t'es chanceux. Et voilà. Thank you.
On avance tranquillement, en souhaitant que ça va bien. Panacée, je sais pas c'est quoi. On va regarder ce qu'il y a là, on reviendra après. Grâce céleste. Violette, c'est un équipement. Il reste environ, je pense, peut-être 17. Dans les premiers jours de la semaine prochaine, on devra l'avoir fini. C'est une petite boutte qu'on joue à ça, là. Hey Mick, travaille pas aujourd'hui? Gant Spectre. Ah, bon. À quelle heure tu finis aujourd'hui? Talisman de terre, talisman angélique. Démoniaque. Il m'en manque pas grand, je peux me faire une autre arme. J'attends le tracteur qui est parti décharger. Une question. On ferait peut-être du Apex à soir. Du Fortnite à soir. Améliorer la défense. Le pourcentage d'esquive, la magie. Shit, j'ai enlevé quoi? On verra, mais t'en reviens. Là. Après le souper, peut-être, je sais pas. 4 heures, c'est 3 heures avant de t'arriver. On verra bien.
Une heure de plus, moi. T'as eu 10h, moi, 11h. Je te retarde pas trop. Bonne journée. Au travail. Profite. Oh, il me vole. Voyons, réveille. Tiens. Hey Seigneur, Seigneur, si tu veux, je te dise. J'ai fait caca dans mes culottes, j'arrive pas à m'essuyer. Je dois passer une crise de cette journée. Qu'est-ce que c'est? Le manoir au feed. Que se passe-t-il? On arrive bientôt vers un boss. Comment ça va, mon Seigneur? Manoir a fait d'être des enfants. Non, t'as rien à dire. Toi? Je passe à travers, lui. Il dit rien. Au pire, pareil. Elle se maintient. Le passage secret par ici. Thank you.
sais pas c'est quoi, c'ti. J'ai pas été là pour rien. À moins que je revienne, il va se passer de quoi, mais là, il se passe rien. Ah, il est là. Il m'a fait peur, lui. Bienvenue, je suis content que vous soyez enfin arrivé jusqu'ici. Je vous attendais, Caribou. Où sommes-nous? Est-ce que c'est le manoir Refid? Cet endroit n'existe pas, mais ne vous souciez pas de ça. L'important, c'est que j'ai quelque chose à vous expliquer. Qui êtes-vous? Mon nom est Gash. Dans l'ancien royaume magique de Zil, j'étais un sage de la raison. Du moins jusqu'à ce que la reine tente de maîtriser le pouvoir de la Vos. Pour faire court, disant que ça s'est mal passé, que la Vos a créé un vortex dimensionnel qui m'a projeté dans un futur lointain. Là, j'en ai profité pour étudier la science du futur. J'ai pu ensuite y appliquer le savoir que j'avais rapporté de mon propre temps dans la magie, qui avait disparu depuis belle lurette dans le futur. C'est ainsi que j'ai pu faire des progrès phénoménaux dans le domaine de la recherche temporelle. Ces recherches ont conduit à la création de Chronopolis et au cataclysme temporel. Vous pensez peut-être que j'ai fait n'importe quoi, mais je me demande si je n'étais pas au sommet de mon art. Enfin, j'ai construit une machine à voyager dans le temps miniature que j'ai appelée Neolibis. Je l'ai utilisée pour me rendre à cette époque afin d'en apprendre plus sur Chronopolis et les plans de sort, et pour voir ce qui allait se passer. La tour de Terra est bien une cité saurienne venue du futur, une autre dimension. Il s'agit à l'origine de Dinopolis. Le palais des descendants d'Azara, dont l'évolution s'est déroulée de très façon très proche de celle de notre planète. Dinopolis s'est retrouvé attiré dans le passé de cette dimension il y a environ 10 000 ans. Cela s'est produit afin que contrebalancer l'influence de Chronopolis de Lavos avait attiré ici. Une lutte acharnée s'en est suivie, cela va sans dire. Au final, Chronopolis l'a emporté, tandis que la forteresse des Sauriens a été scellée par sort. Mais le plus important est le rôle des dragons dans tout cela. À l'origine, tout l'archipel de Nido était connu sous le nom de Mer d'Éden. Et ce, car c'était là que résidaient les dragons divins. Mais plus tard, Sor enferma les pouvoirs des dragons divins devenant un dieu lui-même. C'est ainsi que les îles où la nouvelle divinité Sor était installée durant furent appelées Mer d'Éden. Vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu, mais les dragons divins ne sont servis de vous pour éliminer Sor. Contrairement à ce qu'on vous a dit, les dragons divins n'ont pas enfermé la flamme gelée. C'est l'inverse. C'est Sor qui a utilisé le pouvoir de la flamme pour enfermer les dragons divins. En réalité, les dragons divins s'opposent aux hommes, alors que Sor était leur protecteur. Oh mon Dieu, oui. À l'origine, les dragons divins étaient une forme de vie singulière composée de plasmas. L'accumulation vivante de l'énergie planétaire. Il s'agissait d'une machine biologique servant à contrôler les forces de la nature dans la future société des Sauriens. Afin de maîtriser l'énergie naturelle elle-même, Sor divisa l'entité unique du dragon divin en 6 formes de vie plus faibles.
après quoi il décima sur la planète et les enferma. Leur apparence de dragon n'est qu'un déguisement, une forme temporaire qu'elles adoptent afin de pouvoir apparaître dans cette dimension. Mais tout cela a changé quand Sora a été vaincu et son emprise défaite. À cet instant, les sept dragons quasiment impuissants et oubliés de tous traversa les dimensions pour redevenir une entité unique. Sept dragons? Je croyais qu'il n'y en avait que six. Vous connaissez l'existence de six dragons, mais il en existe un septième caché, comme la deuxième lune jadis perdue puis retrouvée. Bien qu'il se trouve sur la même planète, mon monde n'avait pas deux lunes. Levez les yeux vers le ciel maintenant et vous verrez sept corps célestes, cinq étoiles et deux lunes. Cinq astres frères correspondent aux dragons de couleur qui règnent en maître sur le ciel nocturne. Une lune qui correspond au dragon blanc des cieux et une autre lune plus sombre qui est la contrebalance. Le dragon du feu, le dragon de l'eau, le dragon vert, le dragon de terre et le dragon noir, le dragon des cieux et un autre. Le dragon, le dernier dragon, le dragon de la lune sombre. Celui qui devrait trouver le moyen de libérer les autres dragons de l'emprise de l'ordinateur sort. L'enfant que les autres ont créé la nuit où sort a momentanément perdu son contrôle sur eux à cause de la tempête magnétique. Il me semble qu'il s'est présenté à vous comme Gwen. Oh, la lune, ça alors. Les dragons divins étaient l'essence et la nature de cette planète. Peut-être pouvons-nous considérer ces événements comme la vengeance de ce monde à notre égard, une façon de balayer définitivement les parasites humains de la surface de cette planète bleue. D'abord, c'était Sora, et maintenant la planète. Ou l'inverse. Mais quelle que soit la façon dont on l'envisage, c'est le moment de remettre les choses en ordre. L'avenir de l'humanité, le destin de cette planète, tout dépend du prochain combat que vous allez livrer. Malheureusement, l'heure est venue pour moi de vous laisser. Et monsieur, c'est la croix du temps que vous avez là. La croix du temps, la mélodie et l'harmonie. Elle a le pouvoir de traverser l'espace et le temps pour unifier les pensées et les sentiments des gens. Elle a le pouvoir de transférer les souvenirs. Utilisée comme élément, elle a le pouvoir de puiser dans les sangs des six éléments de couleur pour produire une harmonie guérisseuse. Elle a le pouvoir d'associer les sons du monde pour faire une mélodie. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt, à une époque ou une autre. En attendant, faites attention et bonne chance. Moi, je vais où, là? OK, mais monsieur, vous m'avez pas dit où aller. Ah, la porte... Ah, il m'a donné une autre porte. La porte qui était là, il dit plus. Il a ouvert une autre porte. OK, mais il n'y a pas d'avoir de sauvegarde. Je veux une sauvegarde, moi, là. Je prends pas de chance, je vais aller sauvegarder. Ça volait. Ceinturier en double. Oh, c'était bon, ça.
Oh merde, il a amené deux autres adversaires. Et voilà. Là, faut que je remonte. Là, je vais attraper des adversaires parce que tantôt, j'en ai quasiment. J'ai quasiment tout évité. Là, je vais toutes les poigner. Là, j'avais oublié ça tantôt. Ben ouais, tu me pognes dans l'escalier, toi. C'est combien d'heures je l'ai mis dans le jeu, Seigneur? Ça marchait. Encore ça. J'ai rendu à près de 45 heures. Là. Il me reste environ... Il me reste environ 5-6 heures encore. Au moins, je vais terminer début de semaine prochaine, selon moi. Là. Je ne tombe pas sur des boss trop coriaces. Là, je fais les quêtes normales. Si je ferais les quêtes comme qu'ils devraient, je finirais jamais. Là, je comprends. Il y en a comme ça, je vais faire les jeux au complet. Moi, c'est... Il y a des limites. Là. C'est pour ça que j'aime des jeux qui durent 5-8 heures. Là. Quand ça dure 5 heures, je trouve que ça peut être un bon jeu s'il est bien construit.
Ah ouais, ça remplit, toi. Il est mort. Il y a des personnages, j'ai manqué aussi. Mais il y a environ... il y a 45 personnages. Puis il y a un personnage important que j'ai manqué, là. C'est dès le début, faut que tu l'attrapes. Puis... faut que tu prends des décisions si tu sauves, si tu veux aider quelqu'un ou pas. Puis moi, je l'ai aidé, je pense. Bon. Allez, on se dirige vers un boss. Ah, vu que j'ai sorti de là, ils sont tous revenus, les maudites bébites sales. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais coincé là? Ah ouais, il est direct sur moi. Le endgame, c'est choper des trucs dans le jeu, qu'est-ce que tu veux dire? Hey, tes flèches, t'es pas obligé de toutes les lancer sur moi, là. Bon, là, tu vois, il y a quatre boules, donc il y a quatre éléments. Quatre éléments blancs qui ont été utilisés. Pour utiliser tes éléments suprêmes avec une étoile, il faut qu'il y ait trois ou quatre. Je sais pas, j'ai pas lu là-dessus. Mais là, tu vois, je peux l'utiliser. Fait ça que ça va faire, celui-là. Sauf que tu les trouves. Ça va remplir tous mes personnages et ça va frapper très fort, les ennemis. Deux à la fois. Ça fait deux, une pierre deux coups. Fait les anges arrivent. Les anges dans nos compagnes. Bravo. Ça a tapé plus de 1000 à tout le monde, puis ça nous a rempli toutes de 99. Tiens, toi. Ramasser des persos qui manquent et des compléments, ça donne pas trop. Ah, ok. Mais c'est comme ce jeu-là, il y a plusieurs fins, là, plusieurs fins. Et probablement que j'ai pas la bonne fin vu qu'il me manque un personnage, mais... hey, moi, je vais finir le jeu à un moment donné, là. Un bon jeu. J'ai rien... l'histoire est bonne, tout. C'est un jeu de mon enfance que j'ai jamais fait. C'est un beau défi. Hey, Turbo! Comment je... aïe, aïe, mon genou! Après le boss, je vais probablement faire du Fortnite si jamais ça te tend. Là, je m'en vais vers un boss. Bon, ça file aujourd'hui. Excusez. Ça. Allez, les anges dans nos campagnes.
Allez, mente-les. Oh. Je vais direct dessus. Heureusement qu'il y a les combats automatiques, puis il y a les combats accélérés, puis tout, là. Puis aussi, t'as pas même monté des expériences. Ben, ça dépend le boss, là. S'il me rend pas fou, là. Logiquement, moins d'une demi-heure, là. Ça serait supposé, dans ma tête, ce serait 10, 15, 20 minutes, mais là... Ça dépend de ce qui se passe. S'il est trop compliqué, je vais être obligé d'arrêter et de faire des lectures. Des fois, je suis obligé de faire des lectures sur les boss. Là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Là? Ben, si je fais une lecture sur le boss et j'arrête, je vais rien que jouer demain. Là. Et voilà, on est rendu. Il y avait un escalier, là. Pourquoi il y a un escalier? Ah, je peux aller là. Ah! Un coffre! Ultra Nova! Ah ouais, reviens! Il y a un autre en bas. Ah, ça fait le tour. Il y avait peut-être une sauvegarde juste là, puis je l'ai... Oh, il n'y a pas de sauvegarde. Ça n'a pas l'air d'un boss final non plus, ça a l'air d'un... Allons-y! Rendez-nous nos arbres. Rendez-nous nos forêts luxuriantes. C'est un mini-boss, mais ça se peut que ça va finir avec ça. D'habitude, ils sont pas trop durs, ceux-là. C'est pas un boss final, semblerait, mais on sait pas. Ok, on y va. Ah, à moitié-moitié. Ça veut dire que ça enlève la force de la magie à tout le monde, parce que ça le divise par deux. Temporairement. Et là, je vais aller affaiblir l'attaque physique. Temporairement réduite. Zéro. 29, c'est bon. Ok, mais vas-tu tirer jusqu'à demain? Ok, là c'est le temps de remplir nos... Nos soins, par exemple... Je suis pas obligé de prendre un gros soin. J'ai un soin normal, ça va être bon. Tabarnak!
Pas beaucoup bas. Il se remplit de 400 en plus. Gosse-moi plus que ça, toi. Je vais me remplir parce que là... Non, t'as pas su y aller encore! Tiens, c'est de la merde. Ah là là, en tout cas, c'est bien. On dirait qu'il commence à être fatigué, on dirait qu'il est penché. Il est en train de vérifier les deux. Combien j'ai d'énergie, de texture, tu sais comment il me reste de vie, il va être découragé. Zéro. Bon. Ok, arrête! Oh yes! Va-t'en, c'est fini, toi. Ça, c'est un téléport, ça va vraiment m'amener ailleurs. C'est ça des mini-boss, puis là, j'en ai même battu 3 de ça, ça veut dire qu'il y en a 6. Je les ferais pas toutes sortant, ça serait logiquement, j'aurais fini, presque. Exactement, c'est un téléport. Ah, bon. Caribou, là-haut. Ça doit être le sommet. Regarde ces deux vaisseaux, hein, émanent de chaque côté. C'est peut-être une sorte de dispositif de verrouillage. Toujours là, Turbo?
C'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!